Coucou, c'est Amandine, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce tuto de coiffure facile, spécial défi coiffure 2022, deuxième sur 52. C'est parti! Pour réaliser cette jolie coiffure, il te faudra l'effectuer sur cheveux secs et bien démêlés. Tu auras simplement besoin de quelques élastiques et d'un peigne. Première étape de ce tuto, c'est parti! Il va falloir créer un triangle bien droit et bien net au sommet du crâne. Pour effectuer cette séparation au mieux, il faut essayer de viser le sommet du triangle à la hauteur du nez et chaque côté du triangle à la fin des sourcils. Comme dans tous mes tutos, pour ne pas être gênée, je te conseille d'enlever les cheveux dont tu ne te sers pas. Donc là, pour l'instant, on ne va pas s'occuper de derrière, donc je viens simplement les accrocher pour travailler tranquille. Une fois cette étape terminée, je viens réhumidifier avec un petit peu d'eau, vous pouvez prendre aussi un petit peu de démêlant, et je vais venir lisser la séparation et mettre une couette vraiment tout au bout. Donc il ne faut pas que votre élastique se retrouve au milieu de la séparation, c'est bien le cheveu que l'on tire pour mettre la couette sur la petite pointe du triangle. Ensuite, il te faut séparer cette mèche en deux parties bien égales. C'est très important pour la symétrie de la coiffure. On va venir tresser de chaque côté, donc ces deux petites mèches. Donc si tu prends une mèche trop fine d'un côté et trop épaisse de l'autre, simplement la tresse n'aura pas la même grandeur. Je sépare donc en trois brins et je viens faire une tresse complètement classique. Une fois mes deux tresses réalisées, je les mets de côté et je viens m'occuper de la chevelure arrière. En partant du sommet du crâne et donc du sommet de votre triangle, il faut venir créer une raie bien droite et bien centrée, c'est très important. Une fois que les cheveux sont bien mis de chaque côté, on va venir créer une couette semi-haute. Donc on ne va pas la faire trop haute, mais on ne va pas du tout la faire dans le bas de nuque. Très clairement, quand tu en arrives à cette étape-là, c'est que la coiffure est presque terminée et tu as vraiment fait le plus difficile. On continue donc ce tuto. Il va falloir accrocher chaque tresse à sa couette. Donc tout simplement, je remets un élastique sur un élastique afin de bien maintenir la petite tresse. Ensuite, je peigne bien mes cheveux et je viens créer une grosse tresse.
Je rajoute des petits nœuds que tu peux trouver sur le compte Instagram de Tutu la Praline. C'est une personne qui travaille vraiment bien, made in France, chaque création est faite à la main. Tu peux retrouver ça sur nos comptes Instagram. Et voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu et j'ai hâte de voir vos résultats.